Risque d'être fort. Ça va. Ah, y'a la manette. Setting. Full screen. Aïe. Langage. Français. Audio. Sauvegarde automatique, compteur, speedrun. Tracker de quête. Description des effets. Secousse de l'écran. Vibration de la manette. Niveau de l'IA. Très faible, minable. Nulos. Skynet. Ah bah tiens. Adaptation de niveau. Grind obligatoire, désactivé, déplorable. Okay. Appliquer. Paramètres sauvegardés. Go hein. Chut, le film, il y a un film là ? Gauvin. Hey. Qui es-tu? Luigi. Louis. Couleur préférée. J'adore Twitch. Couleur de peau. Afro. Coupe de cheveux Twitch. Couleur des accessoires. Visage. Lunettes. Couleur des yeux. Couleur des accessoires visage. Ok. Il n'y a pas de... Laissez-moi. La souris, c'est chez vous. A, sauter. B, foncer. Je suis fatigué. Direct là. Hey. Pitié. J'imagine que tu j'ignore qui t'es, mais pas de geste brusque hein. Les trafics crabes n'aiment guère des étrangers, ni qui que ce soit d'autre. Tiens, prends ça. Une cassette. Un lecteur cassette. Petite question, quel est ton style préféré? Effrayant ou mignon? Mignon. Yeah. Tiens, voilà pour toi. Une cassette mignonne. Gourmand diable. Les gourmands diables possèdent l'étrange attitude de produire des sucreries. Offrir à utiliser comme projectile, certains trouvent plutôt charmant. On juge des choses franchement bizarres et dégoûtantes. Ok. Glisse dans le lecteur, enfile ton casque et appuie sur lecture. Ça risque de sembler un peu étrange, mais fais comme moi, d'accord? Tu vas t'y habituer. Donne-lui une bonne leçon. Ah ouais, je peux changer. Hyperglycémie, comment ça? Ah non, hein?
Impact. Ça dégage. T'as remporté le combat. On en pitié, hein. Du plastique. C'était très impressionnant. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Kaylee. Heureuse de faire ta connaissance. Bref, ce serait sans doute une bonne idée de t'aider à te réchauffer avant que tu meures de froid. T'as le lecteur cassette, là. Je suis sûr qu'il y a des gens, il y a des gens dans ce chat qui n'ont jamais connu le lecteur cassette, hein. Il avait même masse, à mon avis, parce que même moi, le lecteur cassette, c'était déjà has-been à peu près à l'époque, à mon époque. Qu'est-ce que t'en penses ? Plutôt chouette, hein ? Ouais, c'est bien, ouais. Bienvenue à Port-la-Ville. Dans ton nouveau chez toi. Mon nouveau chez moi. T'as connu le stylo pour embobiner ? Pas très doué pour ça, c'est le genre de nouvelles que j'ai un peu du mal à annoncer. On va pas pouvoir t'en aller ici. C'est comme nous, nous sommes tous coincés ici. Alors j'ai la tête qui tourne. Bam. Wonderful. Tu as fini par te réveiller, j'avoue que je me suis un peu inquiété. Il y a de la grosse zik. Ça me fait peur pendant un instant, Louis. Je trouve qu'il y avait une maison libre à Port-la-Ville et maintenant c'est chez toi. Bah génial. Du monde. Il n'y a rien dit, Kaylee. Sorry. Je ne veux pas te bombarder d'informations à ce coup, mais tu te trouves sur une île appelée la Nouvelle Wiral. Elle ne se trouve pas sur Terre. Enfin, pas vraiment. Du moins, c'est ce que nous pensons. J'ai peur que non, Louis. Désolé. Ça fait plus d'un siècle que les gens se retrouvent ici et tentent de retourner dans leur monde, mais nul n'a jamais réussi. Ça va aller, t'inquiète. Tu verras. La communauté de Port-la-Ville est géniale. Les gens s'entraident tout le temps. À tout prendre, c'est pas si mal. Et en plus, on est en sécurité ici. Enfin, à part quand il y a des monstres, hein. Avec le lecteur cassette. Eh ouais, je vais bientôt partir en patrouille d'ailleurs. Si tu veux me rejoindre, retrouve-moi au niveau de la porte, à l'autre côté du pont. En attendant, n'hésite pas à aller dire bonjour à mes nouveaux voisins. Je suis certaine que les gens savent déjà qu'il y a un nouveau venu en ville. T'as également trouvé quelques habits. Il est possible qu'ils soient pas trop à la mode. De bombarde d'infos, chef. Bon, à bientôt, hein. Allez, salut, hein. On en profitera pour continuer à causer si tu veux. Très bien. Je sais que cela fait beaucoup à intégrer d'un seul coup, mais nous sommes tous passés par là. Oui. Mais moi, je veux me battre, moi. Nouvelle quête, un autre monde. Va voir Kaylee à l'entrée du Port-la-Ville. Le manuel que m'a donné Kaylee. C'est chez moi, là ? Ça, c'est ma boîte aux lettres. Mais qui met une boîte aux lettres dans chez lui ? Ah bah voilà, une boîte aux lettres, mais qu'il est étrange qu'elle se trouve à l'intérieur, là où personne ne peut apporter le moindre missive. Jeter un coup d'œil quand même ? Bah ouais. La boîte aux lettres est vide. Il y a un clavier numérique. Saisir un code ? La boîte aux lettres est vide. Ça veut bien commencer à enfiler quelques vêtements. Non mais moi ça me va, moi ma tenue. Elle est bien. 1, 2, 3, 4, ça marche pas. Ah merde, j'avais tapé dans le chat. Right. X. Tu sais ce qui manque le plus, le sport. Il pourrait pas y avoir une équipe de football à Port-la-Ville, comme dans tous les endroits civilisés. D'un côté, j'imagine qu'il y a personne contre qui jouer. C'est vrai que les craves géants de la plage aient l'esprit de compétition. Donc ça, c'est la map. Sauvegarder. Sauvegarder terminé. Inventaire. Inventaire. Groupe. On est avec Kaylee, Louis, carte. Ok. Maman, on va aller voir Kaylee, j'ai envie de me battre. Oh, il y a un truc là, 100%. Non, il n'y a rien. On va aller voir d'autres potes là. Quel plaisir.
plaisir de vous revoir si tôt. La bagarre. Hey! Hello! Tu te sens un peu mieux? T'es vraiment bien débrouillé, mais quand on a combattu ensemble, alors je t'explique. On m'a confié une mission, j'aurais bien besoin d'un coup de main. Tu penses pouvoir m'aider? Mais bien sûr, ouais. Je t'explique dans une minute. Tu vois ce sentier là-bas? Il y a un genre de tremblement de terre l'année dernière. Au moins, les monstres ont été très actifs, on voit encore des fissures dans le sol. Faut qu'on vérifie le sentier afin de s'assurer que les gens peuvent continuer à l'emprunter. Voilà la clé de la porte. Très bien, mais genre si j'ai pas envie d'y aller, qu'est-ce qu'on fait? Et la clé de la porte. Faut que je commence par te montrer quelques bases. J'espère que tu es prêt à te retransformer. Ah ouais, ouais. T'inquiète, tu vas t'habituer vite. C'est comme faire du vélo, tu verras. Enfin, sauf que, comment dire, c'est comme si ton vélo se transformait en un démon pastel avec des cornes. Et que pour le coup, le vélo en question, bah c'est toi. C'est vrai, c'est très réel ce que tu dis. Tu vois, cette saleté avec les bottes ridicules, c'est ce qu'on appelle un ressort à long. Et il se montre agressif si tu t'approches un peu trop de lui. Alors qu'est-ce que tu vas faire? On va lui casser la gueule. Tout ce qu'il mérite. Viens là, toi. Écoute bien ces petits carrés orange, ils représentent des points d'action ou PA. La plupart des capacités contiennent des PA, la quantité de PA requise de la capacité est affichée sur le côté. Dépassant insuffisant, la capacité est inutilisable. Chaque membre du groupe reçoit 2 PA en début de tour, et 1 PA supplémentaire quand il utilise une attaque bénéficiant d'un avantage de type. Tu peux jouer à la stratégie, utiliser des capacités peu coûteuses, ou accumuler les PA et accéder ainsi à des coups pipissants. Explosion de sucre. Donc ça coûte 0 PA. Genshin Impact. Vas-y, on attend. Pour le moment, on n'utilise pas de PA, on utilisera autour d'eux. T'as pris quelques coups, dis donc, mais pas de problème, la forme de monstre peut encaisser. La barre verte représente ta santé, et la rouge, c'est la tienne. Si une forme perd toute sa santé au cours d'un combat, la bande magnétique de la cassette se brisera et il faudra la réparer. Non seulement ça, mais tous les dégâts supplémentaires infligés par l'attaque qui a cassé la bande magnétique sont causés à ta santé, autrement dit la barre rouge. Si on perd tous les deux toute notre santé, on devra rentrer à Port-la-Ville. Pigé ? Au boulot ! C'est dur, hein ? Donc là, je peux faire explosion sucrée maintenant. J'ai une chance d'invoquer un allié temporaire. Romain. Ah bon, sa gueule. Victor. Du bois, du plastique, de la pulpe et du blé. Et bang Sonic, j'ai appris. Yeah. Beau boulot. Boulot. Son monteur devrait marcher pourtant, il doit y avoir un interrupteur pour l'allumer. Là. Hey. Allons-y. Ok, pour les combats suivants, je te laisserai prendre la tête. Mais ne t'en fais pas, je reste avec toi. J'ai débloqué Kaylee. La sirénade. Les sirénades sont particulièrement brillantes et leur queue micro ainsi que leur aile enceinte leur permettent d'amplifier leur voix. Mise à jour. Oui, elles volent. Quel plaisir de vous revoir, si tôt. Cette dinguerie. Attends, il y avait rien à droite, enfin à gauche là. 30%, il y avait des trucs là. Ah non, je tombe dans l'eau. Faut pas tomber dans l'eau. On sait pas nager. Et Kaylee, elle sait nager? Ouais, Kaylee, elle sait nager. Ok, je suis un gros nounours. Merci, Fauflav. Merci, Vachabelle. Bisous. C'est pas mal, hein? En vrai, il y a des petites idées encore, hein? Il y a des bonnes idées encore. Hey! T'as besoin d'une petite pause, Louis? On peut se reposer, hein? Le feu de camp signale à des endroits où on peut dresser le camp en sécurité. C'est exactement ce qu'il nous faut pour réparer la cassette et te soigner. Le feu, hein. Oui. Repos, ça demande 4 de bois. Kaylee te parle de tout ce qu'elle fait pour aider les habitants de Port-la-Ville. Ok. Mais du coup, c'est la nuit. Arte, c'est la nuit, quoi.
Right. Viens, c'est par là. Moi, je vole pas, moi. Pourquoi elle vole et moi non? Moi, j'aimerais bien voler aussi. Il y a forcément d'autres monstres dans le coin. Mais pas de problème, on peut les... Ah, attends, il y a quelqu'un là. La première fois que je te vois par ici, laisse-moi deviner, tu viens d'arriver, c'est ça? C'est un lecteur de cassette que tu as. Tiens, prends ça. Restaure entièrement les PV d'une cassette. Un crayon. Non. Viens, c'est par là. Oui, bon, j'ai compris. Moi aussi, je veux voler. On va se battre. J'ai envie de me battre. Là, tu vois ce monstre? Il doit bien y avoir un moyen de le faire venir ici. Bah ouais, je casse la gueule. Je vais casser la gueule à ces gosses, là. Tu vois. Oh, ils sont deux! Damn, bad, damn. Impact! T'as une chance d'invoquer un allié temporaire. On a un petit pote! Explosion de sucre! Les personnages empoisonnés subissent des dégâts à la fin de leur tour. Allez, bâtard quoi. Un jeu anti-Mintos. Ah ouais! Les poisons de la nouvelle Viral sont facilement inflammables par les attaques de type feu. Les personnages brûlés subissent des dégâts à la fin de leur tour. J'ai eu du plastique et armement. Oui, déconne pas le pote là. Ok. Ok. Prends ça. Cassette basique. Enregistre les monstres avec une efficacité normale. C'est des balls. Il faut que tu saches quelque chose sur les monstres de nouvelle Vorat. Quand ils sont affaiblis, leur essence peut être, comment dire, enregistrée sur une cassette. C'est pas vraiment comment ça fonctionne, mais l'essentiel c'est que ça marche. Enregistrer, cassette basique, utiliser, sur le demi-nuit. Toi, je te crache dessus. Ouais, d'accord, je me... ...100% de chance. Ok. 2 minutes se considèrent comme des protecteurs de la paix et passent leur journée à patrouiller le ciel de régions boisées. Rien ne semble pouvoir détourner de leur noble mission. Le fait qu'un enregistrement réussisse ou non dépend du hasard, mais plusieurs facteurs peuvent toutefois influer. Le nombre de PV, son niveau et sa rareté, les dégâts que tu lui as infligés, les dégâts subis. Utiliser des dégâts pour utiliser des effets pour renforcer les attaques visant les monstres. Tant que l'enregistrement est en cours, le monstre ne peut pas lui fuir ni mourir. Pendant que l'enregistrement est en cours, le monstre ne peut pas fuir ni mourir, alors pas la peine de retenir tes coups. Oh. Le jeu est utilisable à volonté. Les obtenir de différentes façons, en remplissant la jauge d'expérience d'une cassette, en les trouvant dans les coffres, en les achetant auprès de certains marchands. Ok. On a un nouveau perso quoi. Vas-y, sélectionne la cassette que tu viens tout juste d'enregistrer. Donc là, je peux devenir la poule. Oui, je deviens la poule. Tu vois, c'est comme ça que tu peux obtenir des nouvelles formes. Toutefois, si un monstre subit trop de dégâts, il s'enfuira et tu ne pourras pas l'enregistrer. C'est bon, tu me suis. Maintenant, réglons son compte à cet insecte. Impact sprint, augmente la vitesse. Genshin Impact. Bang Sonic. Ok.
Ok. Zephyr, métal, bois et pulpe. Oh, il y a beaucoup de choses, hein. C'est normal, ça. Certaines formes de monstres nous confèrent des aptitudes supplémentaires quand on les enregistre. En plus de pouvoir nous transformer en elles, je veux dire. Pas de panique. Ah oui, je m'envole maintenant. La danse du papillon. Tu peux désormais maintenir A pour planer. Attention, ça épuise ton endurance. Oh la dingue. Sorry. J'aurais dû te prévenir, mais je me suis dit que ce serait sans doute plus simple si je te montrerais. En planant, on devrait pouvoir traverser ce gouffre. Eh ben. On fait des choses. Ah ah. Ok, ici. Quoi le nom du jeu? Cassette Beats. Donc c'est marqué dans la catégorie, mon ami. Hein? Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est pas... Si c'est à cause de l'activité des monstres, on ferait bien d'ouvrir l'œil. Allons-y. Alors attends, on peut pas se reposer. Normalement, là, on pouvait se reposer, je crois. Non, laissez-moi. Ici, oui. Ah, j'ai pas assez pour me reposer. Ah chier. Bon bah tant pis. Ok. Mais comment on fait pour avoir du bois à part en lootant sur les combats? Quoi? Du blé, du bois et une cassette aérosol. C'est quoi une cassette aérosol? À dire. Ah là, je peux monter, il y a de la vigne. Pas du tout. Oh, vas-y, viens là, toi. Wow! Qu'est-ce que c'est de dingue, là? Oh, j'ai plein un chien. Impact. Attends, on va essayer de le choper celui-là. Arrêtez, monsieur. Donc là, faut que je recorde. Quel plaisir de vous revoir, c'est tout. Sur lui, et faut que je continue à le bourrer avec les autres. Les attaques de type air peuvent déraciner les monstres de type plante, les coupant ainsi du sol leur source de vie. Ils reçoivent un en moins. Alors normalement, il peut pas mourir. Voilà. Le temps que je le recorde, il peut pas mourir. Ok, cassette chien, pistillon. Les pistillons sont des gardiens fidèles, on les trouve typiquement à l'entrée des grottes. Sur les plaines verdoyantes de la nouvelle Wirale. Mais je crois sans avoir caverne à proximité, ça cache peut-être quelque chose. Bizarre. Ok, maintenant on le défonce. Let's go. Dididou. Le gnon. Ah là j'ai du bois. Non, je vais pouvoir me reposer avec le bois. J'aurais peut-être dû me reposer. Celui-là, tu l'as senti, pas vrai? Oula. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce truc qui a toujours été là? T'avais pas parti de Port-la-Ville? J'ai jamais rien vu de tel.
Est-ce que Turuk a toujours été enterré là? Un autre monde aspect, l'étrange sanctuaire. Ouais, mais attends, d'abord je vais aller me... Je vais me soigner si ça te dérange pas, madame. Madame Ojan. Petit repos. Voix moins 4. Quel plaisir de vous revoir si tôt. Raconte une anecdote amusante sur sa vie. Parle-moi pas, Kaylee. Ah, si fro, Rissub. Ok. Ne parle pas, Kaylee, s'il te plaît. Sentier du Nord, petit, c'est le Nord. Alors, le donjon. Qu'est-ce qui se passe dans les donjons? Qu'est-ce que c'est? Une gare ferroviaire, on devrait pouvoir jeter un œil aux alentours, non? Oh là là. Ça fait bader un peu quand même. Ça fait un peu bader. Ah! Ces endroits sont... Je ne sais pas trop. Le métal brûlé. On fraude? Est-ce qu'on fraude le... On a fraudé, hein. On a fraudé la SNCF. Du plastique. Flèche de glace. B, erreur RB. Sens pas quelque chose dans l'air, Louis? Toi, mort druide, approche mon enfant que je puisse te voir une dernière fois. Le long conflit est enfin terminé, je n'ai bien peur que cette fois il ait vraiment réussi à me vaincre. Je crois bien que c'est un archange. Faut qu'on s'en aille tout de suite. C'est pas comme les autres, on n'est pas ici en sécurité. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tu n'es pas ma descendance. Tu oses encore te présenter devant moi, l'épée à la main? Oh non. Oh no. Niveau 100. À l'aide. Échec. Pas trop long, hein. Explosion de sucre. Raté. C'est-à-dire... Raté. Hors question que je meurs comme ça. C'est pas la fin pour nous, c'est pas possible. Je refuse. On va affronter cette chose. On la battra ensemble, on est ensemble. Le cœur de Louis et Kaylee ne font plus qu'un. Quand l'entente est bonne entre toi et l'un de tes compagnons, vous pouvez fusionner pour former un monstre encore plus puissant. Vous êtes plus proche, votre fusion sera plus puissante. Mais garde un œil sur la jauge de fusion. Elle doit apparemment être pleine. Pour fusionner, tu reçois 4 PA chaque tour au lieu de 2. T'as également accès à l'ensemble des capacités des deux. Eh ben. Rien qui coûte plus cher que Bang Sonic en fait.
Non, elle est pas morte. Ah si, ok. Victor, on s'est fait déchirer par contre. Hein. Morsure, provocation, matière fusionnée, prograppe, blé, plastique. Comment qu'on a réussi? Ah, je sais pas. Ton endurance a augmenté de 20%, tu peux maintenant planer pendant 3 secondes. Ma fin est proche, je le sens. Que viens-tu faire dans ce lieu meudzé? Je veux rentrer chez moi. Je vois qu'il existe en effet un moyen. Et je suis la seule à connaître le chemin à emprunter. Il me faut un réceptacle. Et toi, tu as besoin d'un guide. Reconstitue ma force et je t'aiderai à quitter cette île. Quel plaisir. Réceptacle? Très bien, entends mon choix. Joueur à Lilou. Ah. C'est fait, oui. Toi qui souhaites quitter ces terres, entends bien ma chanson. Tu vas avoir beaucoup à faire. Le chemin sera long. Le reste du champ est inintelligible. Tu vois bien, Louis? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu comme un blanc l'espace d'une seconde. On ferait bien de filer d'ici. J'ai vraiment passé plein de trucs dans cette gare. Ce serait peut-être une bonne idée d'en parler, non? À propos de cet archange. Oh, les archanges. D'après une légende, quand les premiers malheureux sont arrivés sur les côtes de Nouvelle-Wirale, ils ont d'abord cru que ces monstres vivants étaient des anges. Et certains d'entre eux ont évoqué d'autres entités, des créatures plus puissantes qui leur semblaient malfaisantes. Suivant leur logique première, ils ont nommé des créatures les archanges, les plus puissants des anges. Bien sûr, quand les gens ont vu que ces créatures étaient agressives et capables de battre les monstres normaux, elles ont vite perdu leur côté angélique. Depuis, on leur donne tout un tas de noms, les anges, les démons, les diables, les ghouls. Mais à force, on a fini par les appeler les monstres, comme les autres. C'est un terme générique, mais au moins aucun risque de se tromper. En revanche, les autres créatures, comme celles qu'on a affrontées pour nous, ça reste encore des archanges. On sait pas trop ce que c'est, au juste, et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Quand je repense à cette chose qu'on a affrontée, c'est dur à expliquer. J'ai l'impression de pas la voir correctement. Comme quand on essaie de regarder un film avec des jumelles, ou un truc comme ça. Bref, j'imagine des trucs, mais je ferais mieux de m'abstenir, je crois. On vient tous les deux de mondes différents, d'après tout. Peut-être que les films, ça n'existe pas chez toi. Si, ça existe, si. Ok, génial. Je suis à la nouvelle virale depuis 3 ans. Et j'avoue que je n'ai pas encore appris à ajuster mes références culturelles. Quand je parle aux nouveaux venus. À propos de la fusion. Ah ouais. Ah oui, ça, ouais. La fusion est un phénomène rare, bien connu des veilleurs. Il y a des monstres fusionnés dans les contrées sauvages. Et la chef des veilleurs est censée pouvoir la pratiquer, elle aussi. Quand les circonstances le permettent, deux personnes sous forme de monstres peuvent s'unir afin de donner vie à un être unique extrêmement puissant. Et quand les conditions le permettent, ça inclut le fait de manquer de se faire tuer par un archange apparemment. C'était vraiment étrange comme sensation, on partageait le même corps et le truc qu'on est devenu, c'était nous. Et pas nous à la fois. Bref, c'est la toute première fois que je fusionnais avec quelqu'un et franchement je m'attendais pas à ce que ça m'arrive avec quelqu'un que je connais à peine. Ça arrivait comme ça, et sans qu'on contrôle. Sorry. Désolé, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Bizarre! Sans ça, on n'aurait jamais survécu. Je crois bien que tu as raison. Maintenant qu'on a réussi à fusionner, j'éprouve une sensation étrange. Un peu comme si une porte venait de s'ouvrir. Alors que je savais même pas qu'elle existait. Et j'ai l'impression qu'on pouvait recommencer à fusionner si on voulait. Ouais. Voyons si j'ai bien compris. Les archanges, Morgaine, sa mémoire est en toi maintenant. Et elle connaît le moyen de quitter la nouvelle virale. S'il serait une chance que ça puisse permettre aux gens de quitter cette île et de rentrer chez eux. On doit bien aux habitants de Nouvelle-Wirale de tout faire pour essayer. Toi et moi ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Ah, un cœur. Relation niveau 1. La fusion avec Kaylee sont maintenant possibles dans les combats ordinaires. La puissance de ces fusions avec Kaylee est augmentée de 5%. Il est très important de tisser des liens avec ses amis et la qualité de vos relations affecte directement la puissance de vos fusions. Tu peux te rapprocher d'un partenaire en menant à bien les quêtes qu'il te confie et en combattant côte à côte. Si c'est un archange qui t'a envoyé cette vision, alors il faut que tu trouves un autre et que tu sois assez fort pour affronter. Quête terminée. Nouvelle quête au pays de la confusion. Trouve les archanges pour recomposer le champ de Morgaine, puis suis les indices qu'il contient pour pouvoir rentrer chez toi. Les veilleurs ont mis sur pied un programme d'entraînement qui t'aidera à devenir plus fort. Commençons par t'organiser une rencontre avec le chef des veilleurs. À l'heure qu'il est, elle doit être à l'avant-poste du parc. Propos. Kaylee et toi discutez des mystères de la nouvelle virale.
Très bien. C'est pas la fin de la démo aussi ? Non, c'est bon. T'as récupéré 0 des 8 fragments de chant. Hey ! Type en colère, me forcez pas à me répéter encore une fois. On ne vous en pleurera jamais de par la ville, maudit suceur de sang. So unreasonable. Toujours aussi déraisonnable. Retournez vous cacher dans les ténèbres dont vous êtes issus, vous devrez me passer sur le corps. J'ai déjà affronté les vôtres et je les ai emportés. Vous voulez une petite démonstration ? Nous allons repartir pour le moment. Mais au bout du compte, vous comprendrez que nous savons ce qu'il y a de mieux pour vous tous. Yeah. Comment ça ? Dites à vos congénères que cette ville est protégée par Eugène. C'est toi Eugène ? Si jamais ces saletés reviennent, vous embêtez, faites-le moi savoir. Et surtout, ne les invitez jamais à entrer chez vous. Ils ne demandent que ça. Des vampires ! Je ne l'oublierai pas, merci de votre intervention, jeune homme. Hey. Oh salut ! Désolé que tu aies dû voir ça. Je m'appelle Eugène. Et j'imagine que tu le sais déjà, vu comment j'ai crié à l'intention de ces types. Moi, c'est Luigi. C'est toujours un plaisir de voir les nouveaux visages par ici, Luis. Qui étaient ces gens? Je ne vais pas te barber avec les détails, mais sache que juste qu'ils n'ont rien à faire en ce monde. Ils ont juste que c'est que tous les monstres de la nouvelle Viral n'ont pas l'air de jolies mascottes. Enfin bref, il faut que je suive ces gars. Je ne peux pas risquer qu'ils plantent leurs crocs dans les coups de braves gens de Port-la-Ville. Je me rends utile? Ça te dérange pas? De te saluer à la main, ce serait un plaisir de t'avoir à mes côtés. Retrouve-moi là, et je te dirai tout une fois là-bas. Ah, on peut avoir un nouveau pote. Prépare-toi quand même à te battre, hein, parce que la situation pourrait bien dégénérer. Merci d'avoir joué. Cette démo est maintenant terminée. L'ensemble de Beaten Studio, Tom et Jay, espère que ce petit avant-goût vous a plu. Vous pourrez reprendre cette sauvegarde dans la version complète du jeu. Ah non, ils sont que deux. Ils sont que deux à dev le jeu. Ouais. Bah, c'était cool en vrai. Moi j'ai bien aimé, hein.